de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Je vous propose aujourd'hui de faire une rosace de Pâques aux fleurs de concombre. On garde les ingrédients et on fait la recette. Et bien pour cette recette, il vous faudra bien évidemment du pagre. Ici, il a été pêché en Atlantique Nord-Est. Un citron vert, une tomate noire de Crimée, quelques baies roses, bien sûr des fleurs de concombre, un petit peu de mesclun, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Maintenant, on passe à l'exécution de la recette. Commençons par faire notre rosace de pagre. On prend le pagre et on le coupe en très fines tranches. Une fois que vous avez découpé votre pagre en fines tranches, soit vous le faites en rosace directement sur l'assiette pour pouvoir le faire mariner, soit vous le faites en rosace sur un papier sulfurisé pour que l'on puisse le cuire. Je vais vous montrer les deux manières. Première solution, vous avez choisi de le faire mariner, donc vous mettez votre rosace sur votre assiette. Seconde possibilité, vous préférez poêler votre rosace de pagre. Vous prenez un papier cuisson, vous mettez de l'huile d'olive, un peu de sel et un peu de baie rose et vous fabriquez votre rosace. Comme ceci et on continue toute notre rosace. Une fois que votre rosace est terminée, vous reprenez votre pinceau, vous repeignez vos filets de pagre avec de l'huile d'olive et vous les réassaisonnez. Voilà, nous avons d'un côté celle qui va être poêlée, de l'autre côté celle qui va être marinée. Maintenant, on prend le citron vert, on en fait des zestes, et une fois qu'on a fait les zestes de citron vert, on fait le jus. On prend donc le citron vert, une râpe, et on fait des zestes. Une fois que vos zestes de citron vert sont prêts, avec le reste du citron, vous en faites un jus. Votre jus de citron vert étant prêt, prenez votre tomate noire de Crimée, vous la coupez en quartier, vous l'épépinez et vous en faites de fines lanières. Une fois que vos tomates sont coupées en fines lanières, vous reprenez votre assiette qui va vous servir pour votre pagre mariné. Juste avant cela, vous prenez votre petit saladier, un petit peu d'huile, un petit peu de citron vert, du sel, du poivre, vous mélangez et ça va nous servir pour la marinade. On reprend donc notre assiette et avec un petit pinceau, on va mettre cette marinade sur nos filets de pagre, comme ceci, tranquillement. Et on va y revenir une à deux fois, afin de faire cuire par le citron vert ce poisson qui est délicieux. Voilà. Ensuite, avec vos lamelles de tomates, vous allez revenir comme ceci pour en mettre une à chaque fois où vous avez mis du pagre. On fait ça tout autour de l'assiette et je reviens vers vous. Voilà, une fois que vous avez mis vos tomates, vous reprenez votre petite marinade et on recommence. Afin, comme je vous l'ai dit, de cuire le poisson grâce à l'action du citron vert. Voilà, maintenant on s'occupe de la rosace qui va être poêlée. Dans une assez grande poêle Tefal, on met un petit peu d'huile, on fait chauffer et ensuite on poêle la rosace que nous avons préparée sur notre papier sulfurisé. En attendant que notre poêle chauffe, dans un tout petit saladier, vous mettez de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Ça nous servira comme vinaigrette pour assaisonner notre mesclun. La poêle étant chaude, vous pouvez y mettre votre rosace de pagre. Vous prenez votre papier et vous la renversez d'un coup sec, comme cela. Et on enlève bien évidemment le papier pour la cuisson. Attention, là, comme les tranches sont très fines, la cuisson va être très rapide. Et quand je dis très rapide, c'est déjà terminé. Vous voyez, le temps que je la retourne, ça sera déjà parfaitement cuit. Maintenant, je l'enlève et je la pose sur une assiette. On fait la même chose, on met les tomates autour, comme ceci. Et maintenant, on prend la mesclun, on l'assaisonne et on la met au milieu. Une fois que vous avez mis le mesclun bien assaisonné au milieu, vous prenez vos zestes de citron vert et vous en mettez sur votre pagre. Comme il me restait de la salade mesclun, j'en ai fait un petit bol en salade d'accompagnement. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre nos fleurs de concombre sur nos rosaces de pagre. Et bien voilà, notre assiette de rosace de pagre marinée est terminée. Et notre assiette de pagre en rosace qui a été poêlée est terminée aussi.
Eh bien voilà, j'espère que cette rosace de pagre aux fleurs de concombre en deux manières vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Nous, on se retrouve très prochainement sur Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Salut à tous!